Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur Pokémon Écarlate et Violet pour vous montrer comment obtenir Poltageist, donc avec l'évolution de Tefroi. Donc franchement c'était pas une mince affaire de faire ceci, donc il va falloir aller à l'endroit où vous pouvez faire des enchères comme dans l'histoire principale. Donc parler au personnage que vous voyez dans la salle d'enchères et espérer tomber sur l'objet qui va permettre de faire évoluer Tefroi. Donc ça c'est la première étape. Donc j'ai réussi à faire ça en changeant l'heure, en fait les jours même de votre console, parce qu'à chaque fois les enchères sont différentes, donc c'est vraiment très compliqué et ça se base sur le hasard. Donc j'ai fait quand même plus de 40 essais au moins pendant 2 heures pour obtenir l'objet. Vous avez une chance d'obtenir plus tard Poltageist dans les raids, mais c'est vraiment minime, donc autant faire cette technique. Mais même si c'est assez compliqué, ça, on y arrive quand même assez vite. Donc une fois que vous avez l'objet dans les enchères, il va falloir mettre le paquet avec l'argent pour obtenir l'enchère. Donc là moi ça m'a coûté dans les 18 000, donc c'est pas trop grave. Une fois que vous avez l'objet, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, mais il y en a encore. Donc après il va falloir aller farmer un Tefroi, mais un Tefroi pas n'importe lequel, il va falloir un Tefroi forme authentique. Donc vous allez voir comme dans la vidéo de toute façon. Donc vous allez à l'endroit où vous pouvez farmer les Tefroi, donc c'est très facile à trouver, il y en a partout sur la carte, donc c'est vraiment facile à les capturer. Mais vous verrez, vous n'allez pas avoir forcément la bonne forme. Donc là je vous montre la forme authentique, vous allez sûrement avoir beaucoup de formes contrefaçons. Là ça tombe bien, on a une forme authentique, donc c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir la combiner avec l'objet et la faire évoluer dans sa forme finale. Donc ça m'a pris quand même un certain temps à faire ceci, mais bon, au final si je voulais le Pokédex complété à 100%, j'étais obligé de passer par ici. Donc je vous donne la technique que j'ai utilisée pour pouvoir réussir ceci. Donc j'espère que cela vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'essaierai d'y répondre le plus possible, à mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Il va y avoir beaucoup de vidéos sur Pokémon Écarlate et Violet, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez rien. Donc moi je vous dis à très vite, j'espère que ça vous aura aidé et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, c'était Nico.